Bienvenue sur Starting Girl. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un nouveau voyage, un surf trip, destination le Maroc, dans la baie d'Imsouane. Nous avons pris un avion depuis Nantes et 3 heures plus tard, nous avions atterri à l'aéroport d'Agadir, où nous avons pu récupérer tout le matériel et en particulier le wave ski de Yoyo. Arrivé là-bas, un taxi nous attendait pour 2 heures de route le long des plages, notamment Tarazout, célèbre spot de surf. Et puis, destination donc la baie d'Imsouane, où nous avons fait un stop sur les hauteurs de la baie pour admirer le paysage. Coucou, eh bien nous sommes partis hier matin depuis Nantes et nous avons pris un vol pour Agadir. 3 heures de vol et ensuite 2 heures de taxi pour arriver ici dans cette merveilleuse baie d'Imsouane au Maroc. Donc ici, c'est un pur spot qui a conservé toute son âme encore, avec une droite qui est juste géniale, qui déroule super bien. On est le 2 janvier, il fait 25 degrés et j'ai envie de dire que ça ressemble fortement à la Mecque du surf. Nous avons choisi de séjourner à l'auberge Kaina. Elle est située juste entre les deux plages de la baie et de la cathédrale, à côté du petit port. C'est une petite auberge qui dispose de 5 ou 6 chambres, mais surtout avec une magnifique terrasse au calme, typique, qui surplombe la baie où l'on peut admirer toute la journée le défilé des surfeurs. Nous nous sommes bien réchauffés le soir auprès d'un bon feu de camp dans les bars qui sont sur la place derrière le port. Et puis nous avons déambulé dans les petites rues typiques avant de rejoindre notre auberge. Nous avons décidé d'aller dîner directement au port où des petits restaurants cuisinent directement la pêche locale. Après une bonne nuit, nous nous sommes réveillés avec le soleil et les vagues et Yoyo a décidé d'aller rejoindre le spot avec son wave ski. Voici le petit chemin que nous empruntons directement depuis l'auberge Kaina. Nous passons par l'arrière de l'auberge, par la route qui mène au port de pêche, et puis on défile tout doucement ici. Nous passons devant la petite boutique de mon ami Ahmad, auprès de qui je suis allée chercher quelques beaux tapis pour ramener à la maison. Allez, c'est parti, on va traverser maintenant la zone de pêche. Je ne vais pas filmer ce moment parce que ça dérange les pêcheurs. Voilà, nous voici en bas, prêts à aller à l'eau. Et vous verrez, les bateaux rentrent, mais c'est très facile de ramener directement son matériel pour aller rejoindre le line-up. Avant de rejoindre Yoyo à l'eau avec ma planche, j'aime bien déambuler dans les rues pour aller visiter le coin. Je pars donc découvrir le spot et voir la petite vie effervescente tout autour. J'y repère quelques bons petits bars avec des tagines bien alléchants que je rejoindrai plus tard. Et je rejoins les surfeurs en bas. Alors ici, dans la baie à Imsouane, il y a une sorte de procession des surfeurs, puisque il est très facile d'atteindre le line-up en remontant par là-bas. Et ensuite, on déroule sur la longue vague de droite, ce qui fait qu'on arrive tout au bout de la baie. Et au final, c'est l'ascenseur, parce que les surfeurs sortent de la baie. Je vous les montre derrière moi, ici. Ils font une procession comme des chenilles qui remontent, qui remontent, qui remontent, qui remontent. Et ils remontent à pied
pour rejoindre le line-up. Il y a beaucoup d'écoles de surf ici. Il y a aussi des profs indépendants. Et puis, il y a des groupes, des entreprises qui viennent pour partager un bon moment. Allez, il est temps pour moi de partir à l'eau. Malheureusement, je ne peux pas emmener ma caméra. Alors, je sors de ma deuxième session surf. Ce matin à 10h, donc, c'était marée haute. Donc franchement, ici, c'est un spot qui marche tout le temps. Mais à marée haute, c'est un petit peu plus mou. C'est ce qui fait en fait la magie de ce spot, c'est que c'est accessible à tout le monde et il y a beaucoup de débutants. Et puis j'ai réussi à prendre depuis hier les deux plus belles vagues de ma vie. Bon, j'avoue, j'en ai quand même raté pas mal en mode crapaud, mais voilà, c'est assez magique. Et je vous montre, voilà, il est midi à peu près, 13h, je vous montre la vue depuis la pension. Voilà, il y aura toujours du monde ici, il y a toujours beaucoup de monde et puis ça déroule bien. C'est dur la vie, hein. Ouais, en plus tu t'es fait un ch'tard, ouais, sur le front. Tu veux me montrer ta blessure de surfeur? Quoi? T'as une grosse blessure de surfeur? Au pied? Ouais, je me... Et fais voir sur le front ta blessure. C'est un bel œuf, hein. Tu t'es pas raté, hein. C'est nul, hein. C'est nul. C'est le temps de la récupération et du déjeuner. Nous allons manger un petit bout à Limi Bay. Et puis ensuite, nous allons faire une balade dans l'arrière du village de Imsuan. Juste après le spot de la baie, il y a celui de la cathédrale. En général, les vagues sont plus grosses ici. Et quand elles sont là, il n'y a vraiment que des personnes en shortboard qui maîtrisent bien. Mais quand les conditions sont bonnes, on peut y aller avec toutes les planches, y compris le longboard. Ici, nous sommes dans les habitations qui sont après le spot de la cathédrale. Le coin est vraiment très sommaire et les habitations très précaires. On y trouve également des petites auberges qui donnent directement sur les falaises qui surplombent la cathédrale. Toujours à Imsuan, on est derrière la cathédrale, donc le spot qui tient son nom de la pointe de la vague. Et puis voilà le trait de côte que je vous fais découvrir. Donc on est derrière Imsuan et là on voit qu'il y a des locaux qui pêchent. Certains qui ont établi leur domicile ici dans des endroits beaucoup plus précaires, tels que cette petite tente là-bas qui est juste à fleur de la côte. Le soleil s'est couché et nous avons faim. Nous dînons à la pension Kaina. Et le lendemain matin, un beau réveil qui s'offre à nous avant de rejoindre Tamanar par la route dans un taxi communautaire. Car à Imsuan, il n'y a pas de retrait d'argent et tout se paye quasiment en cash. Donc il faut aller à 30 minutes d'ici, à Tamanar, pour retirer de l'argent. Nous avons donc visité le marché de Tamanar et fait quelques emplettes. Et puis nous sommes revenus déjeuner à Imsuan, sur la place où il y avait tout à l'heure le feu de bois. Nous avons mangé un bon petit repas en compagnie des chats et des chiens, juste au sud de la cathédrale, ce magnifique spot.
Je vous fais profiter de quelques magnifiques vues de la baie. Encore une soirée ici à profiter d'un beau feu de camp, juste à côté de Libé Bay, au Holo. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas assez retiré d'argent la veille. Eh bien, on se fait un nouveau petit voyage vers Tamanar aller-retour en taxi. Cette fois, ça va, le taxi était plus cool. Et puis surtout après, il y a un bon moment de détente qui s'offre à nous. Massage, puis un petit tagine juste au sud de la baie. Et c'est déjà notre dernière soirée. Nous allons revoir le port, le travail des pêcheurs sur les bateaux, les poissons qu'ils ont ramenés, et puis profiter du coucher de soleil comme beaucoup de personnes le font juste à la pointe de la baie. C'est assez magique ce coucher de soleil. Je suis sûre que vous avez déjà envie d'y être.